Si vous devez choisir une seule règle pour votre groupe, je vous conseille la règle de la bienveillance. On en avait parlé dans un très vieux truc d'animation, la bienveillance, la règle la plus efficace dans un groupe. C'est même un très vieux truc puisque c'est le deuxième truc d'animation, alors si vous voulez voir ce collector. Et c'est la bienveillance, la règle principale qui permet au groupe de fonctionner. Mais comment la mettre en œuvre ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui j'accueille Olivier Hoeffel, promoteur de la qualité de vie au travail depuis 2011 et promoteur d'une société de la bienveillance depuis 2019, pour nous parler de l'échelle de la bienveillance et de comment développer la bienveillance dans votre groupe. Olivier, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire être bienveillant, mais peux-tu nous donner quelques clés ? Tu as bien raison, Jean-Michel, de parler de clés, parce que tu en as donné toi-même dans une vidéo en mai 2017. Je suis convaincu qu'il nous faut des clés, car le concept de bienveillance est capital face aux enjeux actuels et à ceux qui nous attendent, notamment l'emballement climatique. Et bien souvent, ce concept de bienveillance est soit vide de substance, soit fourre-tout. En moyenne, on peut dire qu'il est inopérant et qu'il est soit porteur de valeurs qui sont seulement affichées, soit d'intentions peu concrétisées. Et encore, l'intention est à géométrie variable. Par exemple, la définition de la bienveillance par l'Université de Lyon, c'est la non-intention de malveillance. En revanche, ma vision d'une société de la bienveillance, c'est un projet qui est plus ambitieux et qui porte sur deux volets. Donc le premier, c'est l'attention qui va être portée à autrui, à nos collectifs et communautés, à nous-mêmes et à la planète. Deuxième volet, c'est l'altruisme, et en fait c'est donc l'intention transformée en acte. Une parmi mes 20 clés, c'est de considérer la bienveillance sur une échelle, un continuum avec trois segments. La malveillance, l'absence de bienveillance et la bienveillance. Et notre société, nos collectifs et la planète souffrent en réalité probablement beaucoup plus d'absence de bienveillance que de malveillance. C'est vraiment un point capital, cette zone grise d'absence de bienveillance qui en réalité provoque de la souffrance, ça n'est pas neutre. Et une absence de bienveillance qui est causée beaucoup par le manque de temps, par un manque de proximité interpersonnelle et par le fait que les collectifs ne se saisissent pas suffisamment de la bienveillance et de la bienportance envers les personnes qui les composent. Et donc, selon moi, tout l'enjeu, c'est de se donner du temps individuellement et collectivement pour sortir d'une focalisation extrême sur le faire en combinant, conjuguant harmonieusement le faire et le prendre soin. Et alors, très concrètement, comment peut-on mettre tout ça en œuvre dans son groupe ? D'abord, c'est travailler la raison d'être. Par exemple, en utilisant trois questions. Pourquoi, comment et quoi ? Et en inscrivant la bienveillance en filigrane. Une raison d'être qui se co-construit à partir des aspirations individuelles. Ensuite, c'est mettre la bienveillance dans les décisions en utilisant l'approche gagnant-gagnant. Et puis, prendre conscience que nos actes, nos paroles, nos écrits, nos prises de décision peuvent être mal interprétées. Il faut donc savoir dénouer les tensions en utilisant un processus graduel. D'abord, faire le point avec soi-même, vérifier qu'on n'est pas en train de monter en tour pour rien. J'ai développé une petite méthode qui s'appelle la méthode Olé. Vous pouvez y accéder en utilisant un des liens qui sera en dessous de la vidéo. Puis ensuite, il faut interagir, s'il le faut, entre quatre yeux, s'il s'agit d'une tension interpersonnelle. Alors surtout pas de mail, surtout pas, et encore moins de mettre des personnes en copie. Faire en utilisant nos capacités d'affirmation de soi bienveillante, l'assertivité, et ça, ça se cultive, et c'est un gros enjeu. Et pour cela, la CNV, la communication non violente, c'est un bon outil avec ses quatre étapes. 1. Observer. 2. Exprimer ses sentiments. 3. Le relier avec ses propres besoins. Et puis 4. Exprimer sa demande. Alors si ça ne suffit pas, on peut faire appel à une médiation informelle ou formelle, éventuellement avec un intervenant extérieur. Et puis il y a aussi, évidemment, la hiérarchie qui doit jouer son rôle pleinement en la matière. Et si les problèmes, en fait, sont systémiques, eh bien à ce moment-là, il faut que ça soit confié au collectif lui-même. Tout au long de ce processus, on peut utiliser l'échelle de la bienveillance avec ses trois segments. Est-ce que l'analyse met en évidence de la malveillance, intentionnelle ou pas intentionnelle ? Est-ce que la situation est plutôt liée à un déficit de bienveillance ? On n'a pas assez écouté, considéré, soutenu ? Ou alors, c'était un malentendu, la bienveillance était bien présente, mais peut-être qu'il faut la jouer plus pleinement, plus en conscience, plus explicitement. Alors à vous de jouer.
Comment vous allez préparer ces trois niveaux d'échelle de bienveillance proposés par Olivier pour être prêt quand, de façon presque inévitable, une réaction pourtant sans intention de malveillante sera perçue comme une agression, ou alors quand du fait des tensions, par exemple dans le groupe, ou même des tensions venant simplement de ce qu'une personne vit à l'extérieur du groupe, eh bien on oubliera la bienveillance. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous après les fêtes de fin d'année. Effectivement, je vous souhaite d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et une meilleure année. Et à l'année prochaine.